Allô? Stéphanie? Yes? C'est Babu! Vous allez, ça va? Ben ouais, j'arrive, là! Moi, je m'en viens! OK! Ah, crédit va super bien, ça a déjà été payé. Malgré que j'ai toujours eu un bon crédit, je te dirais, contrairement à des gens qui ont déjà eu un bon crédit puis qui ont eu des problèmes. Souvent, le crédit va bien avec une deuxième personne, hein, un couple. On dirait que c'est plus facile. Effectivement, puis des fois, ça crache. Parce que ça crache. Ça peut arriver à tout le monde. Là. On s'entend qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là. C'est pas parce que t'es beau, t'es fin que t'es à l'abri d'avoir des problèmes de crédit. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils pensent que ceux qui font une faillite, une proposition, c'est des mauvais payeurs. C'est vraiment pas le cas. Tu comprends? Ça peut être un événement qui est arrivé dans ta vie. Je sais pas, moi, tu te sépares, tu pars une business, ça fonctionne pas, t'as un décès, t'es en arrêt de travail. Ah, il y a toutes sortes de trucs. C'est du cas par cas. Il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes qui existent. Ça, c'est sûr. Puis, faut savoir par contre qu'il y a une différence, tu sais, quand tu as eu des problématiques de crédit entre, bâtir ton crédit puis rebâtir ton crédit. Tu sais, on s'entend que un jeune qui commence dans la vie, il se prend un cellulaire, une petite carte de crédit, ben, il bâtit tranquillement son crédit de cette façon-là. Quelqu'un qui a déjà eu du crédit établi, puis que tout d'un coup, là, il y a une problématique X dans sa vie qui arrive, puis qui fait que tout plante. Repartir la machine, c'est d'autres choses. C'est pas avec un petit cellulaire, une petite carte de crédit. Ça prend vraiment un prêt majeur pour repartir la machine, parce que là, les institutions bancaires te connaissent. Tu sais, mettons, toi, Bab, t'arrives une bad luck dans ta vie, puis tout va mal. Tu sais, même si t'étais avec X banque ou telle autre banque, puis qu'ils te connaissent bien, mais quand ça va mal, ils te connaissent un peu moins. C'est plus compliqué dans ce temps-là. C'est moins intéressant pour eux. Ben, c'est moins intéressant pour eux autres. Fait que, ils sont là quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, souvent, ils s'éclipsent assez rapidement. De repartir la machine, ben, c'est ça que je disais, ça se fait pas avec une carte de crédit, ça prend un prêt majeur. Puis, ben, tu sais, on va travailler des institutions, ça va être avec des institutions financières. Il y en a plusieurs, là. Ben oui, il y en a plusieurs, des institutions financières. Tu les connais toutes, là. Moi, je les connais toutes. Personnellement, tu connais pas mal tout le monde qui travaille là-dedans. Ben oui, on les appelle par le nom, effectivement, parce que, tu sais, c'est des gens qu'on parle à tous les jours, puis, tu sais, on connaît toutes les spécifications de chaque institution bancaire. Ouais. Fait que, tu sais, puis c'est de là l'importance, parce qu'on s'entend que, tu sais, c'est pas baiser sur un piton, puis que ça fonctionne pas comme ça. Pas comme ça que ça fonctionne. Non, exactement.